La Libella, la ville emblématique du nord de l'Éthiopie, connue pour ses églises taillées dans la roche et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, vient de retomber aux mains des rebelles tigréens. Ce dimanche, le Front populaire de libération du Tigré a annoncé dans une vidéo s'être emparé de l'aéroport et de la ville, 11 jours seulement après avoir été chassé par les forces pro-gouvernementales. Pour le moment, le gouvernement n'a pas réagi. Ces dernières semaines, les autorités avaient engagé une vaste contre-offensive pour reprendre du terrain aux rebelles présents sur l'essentiel de la zone du Tigré et dans plusieurs régions voisines. Dans cette guerre civile engagée depuis plus d'un an, le nord de l'Éthiopie est devenu un vaste terrain de combat. Selon l'ONU, 9,4 millions de personnes se retrouvent aujourd'hui en situation critique d'assistance alimentaire.